Tata Grognon est enceinte. Mon ventre. Non, c'est quoi ça? Mais vous avez perdu des os. J'aime pas ça quand... Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Oh, enfin tranquille. Je vais prendre mon goûter toute seule. Allez, ouvrez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tata Grognon est enceinte. Mais quoi? Tata Grognon est enceinte, aidez-moi. Mais t'as 69 ans et t'es enceinte. Aidez-moi. Non, je sais pas, mais allez, pourquoi Ellie Rose, tu mens là, c'est... Écoute-moi, assieds-toi sur moi. Tu dois me servir. Tu dois me servir. Non. J'ai un bébé qui va sortir, hein. Bah, on s'en fout. Non. Mais allez, fais des efforts, toi aussi. J'arrive pas à monter. Allez. J'arrive pas à monter. Bah, tu te débrouilles toute seule. Moi, je vais jouer dans ma chambre. Non. Allez, bah, débrouille-toi. Je suis comme une limace. Je pense qu'il y a au moins 5 enfants dans mon ventre. Prépare-moi à manger, j'arrive. Non. Enfin, j'arrive. D'ici une petite heure, je pense. Attends. Oh. Attention à mon bébé. Attention à mon bébé. T'es sûr que c'est parce que t'as pas trop mangé? Non, je suis sûr que c'est un bébé, hein. Je mange jamais trop. Je mange jamais trop. Allez. Mais tu te rends compte que tu manges 100 kilos là? Plus vite. Et c'est toi qui fais 100 kilos. Moi je suis très très fine. Comme un mannequin, très mais fine. Mais non, mais là je peux pas, t'es trop lourde. Oh n'importe quoi, allez un peu d'effort là. T'es encore jeune, allez. Moi je dors, hein. Allez, maintenant, donne-moi ça, à mes ordres. Alors, maintenant, regardez-la bien. Maintenant, tu vas être à mes ordres et tu as intérêt à me servir. Et maintenant, toute la journée, allez, rapporte-moi un coca. Un Coca-Cola. Non. Allez. Non. Dépêche-toi. Non. Aide-moi. Mon ventre. Vite, mon bébé. Il y a ça à l'intérieur. Donnez-moi ça. C'est pas possible ça. Laissez-moi tranquille. Tata va faire une sieste. A few moments later. Attends. Allô. Il est où ce foutu cacahuète là? Le père de Lily Rose. Allô. Je commence à avoir des contractions là, j'ai mal au ventre. Je pense que le bébé va sortir. Lily Rose. Quoi? Vite, il faut prendre cet appareil. Il faut que tu regardes ce qu'il y a dans mon ventre. Vas-y. Allez. Ça s'appelle une échographie. D'accord. C'est pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Bah déjà on l'a fait. Attends. Oh non. Quoi? Regardez. Oh là là. C'est le bébé. Oh vas-y, regarde ce qu'il y a dans ma tête maintenant. Oh mais c'est quoi ça? Bah c'est un tout petit cerveau. Mais il y a un pois chiche dans ma tête. Bah oui. Attends, non, plus sérieusement. Oh là là. Vite, appelle les pompiers. Allô? Appelle les pompiers. Attends, oui, vite, va les appeler. Ok, d'accord. Oh, je sens que le bébé va sortir là. Vite, elle est là. Aidez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites là, Tata? Mais je suis en train d'accoucher. Oh non, qu'est-ce qui arrive là? Je sais pas, mais. Je suis en train d'accoucher, regardez, y'a pas. Oh non, c'est les photos. C'est quoi cette photo d'échographie? C'est les photos de mon bébé. C'est votre bébé? Oui, aidez-moi. Vite, faites sortir ce truc. Faites sortir ce truc. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est énorme, je pense qu'il fait la taille de mon bébé. Non, c'est quoi ça? Mais vous avez perdu des os. J'ai perdu. Un cerveau. J'ai perdu les os. C'est quoi, un squelette? Ah, une oreille. Un os. Mais non, mon bébé. J'ai perdu les os. Mon bébé. Attends. Oh non. Non. C'est pas ce que vous croyez. Non. Mais tu t'es pris pour qui? Non, c'est pas ce que vous croyez. Non. C'était pas un faux. Fait semblant. Non, juste pour que je sois à ton service. C'est pas un faux bébé. Bien sûr que c'est. Non. Regarde ton gant. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Non, reste là. Allez. Oh mais Tata Grognon, qu'est-ce que vous avez encore manigancé là? Vous nous faites croire que vous êtes enceinte. C'est pas moi. Et puis voilà, c'est tout ça moi. Pour qu'on s'occupe de vous. Non, c'est pas ça. Tu crois que t'as raison. En plus, elle m'a demandé de la traîner dans les escaliers et tout. Bougez de là. Et bah puisque c'est comme ça, je vais vous laisser le bébé devant la porte et vous allez vous débrouiller avec. Et moi, je vais partir. Si, j'ai vraiment un bébé et je vais vous le prouver. Allez, bouge petite cacahuète. A few moments later. Oh là là, mais... Oh, mais t'es... C'est son bébé.
bébé, mais il est grand. Bon, allez, rentre, vite. Rentre, tu vas avoir froid. Allez. Oh là 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 là. Il est froid, il est froid, il est froid. Allez, attends-toi. Tu t'es déjà parlé, toi? Allez, on va aller voir maman, allez. Biberon, j'ai faim. Bah, bois ton biberon. J'ai faim. Allez, assieds-toi. Je veux pas, je veux pas. Mais c'est quoi ça? Je veux pas. Tu as quand même le bébé. Je ne jette pas ça comme ça. Calme-toi, calme-toi. Bougez-vous. Attends, attends, on va te calmer. On va essayer de calmer. Je veux ma maman. Reviens ici, reviens ici, reviens ici. Mais non, mais fais pas ça tout seul. Mais tu sais déjà marcher. Alors que t'as même pas... Bougez là. Alors que t'as même pas une heure. Bougez là. Mais... Bougez de là. Mais tu sais rien faire. Bébé. Non. Ne fais pas ça. Mais non. Hop, par la fenêtre. Mais, j'ai déjà parlé. Mais oh, mais peluche. J'en ai marre du bébé, il m'énerve. Quoi? Attends. Ce que j'ai préparé une recette pour que le bébé il s'endorme, c'est des œufs avec du miel. Chut, attends, regarde. Attends. Non, tiens, c'est quoi ça? Bois ça, c'est un biberon, t'es ta faim. C'est bon, Lily Rose, ma recette elle a fonctionné. Okay. Bah écoute, maintenant on va appeler Tata Grognon pour qu'elle le ramène. Allez, viens, on y va. Tata Grognon! Et Tata Grognon, attends, voilà. Pourquoi vous m'appelez encore? Comment ça, mon bébé? On lui a donné un truc pour qu'il s'endorme. Mais j'ai jamais eu de bébé, c'était une blague. Ah bon? Bah c'est qui alors le bébé qu'on a vu? Comment ça, un bébé? Bah un bébé? Viens. Et attends, mais comment ça? Allez, comment ça? Mais c'est pas un possible. Bébé. Un bébé? Mais c'est le tien. Mais comment c'est possible? Bah, il était comme ça. J'ai jamais entendu parler de bébé, c'était un faux bébé pour qu'on s'occupe de moi. Ah bah ok. J'ai jamais eu de bébé. Mais tu peux pas récupérer un bébé qui n'existe pas? Bah... Venez, venez ici, je trouve plus le bébé là, je sais pas où il est. Bah écoute, il était là, il y a même pas 30 secondes. Il est où ce bébé? Il est où ce bébé? Il n'existe pas ou quoi? Mais si, il était là. T'es pas contente, hein? Mais il était là. 30 secondes. Comment ça? Il est où ce bébé? Il est où? C'est le tien. Mon bébé. Hein? Tout tombe ici. Il était où? Il était où ce bébé? Je sais pas. Il était où? Je sais pas. Pour moi, ça n'existe pas. Il y avait rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Vous avez une preuve que c'est le mien? Oui. Ah, il était où? Comment vous l'avez eu? Bah, dans la porte. Dans la porte? Bah, bien sûr. Bon, allez. Vous m'avez fait venir. Et bah, maintenant, servez-moi. Allez, va me chercher à manger. Non, allez, même pas en go, rêve. Go, même go, pas go, 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 go. Même pas en rêve. Je sais pas d'où peut venir ce bébé. Je vais appeler une amie qui s'appelle Tata Ronchonnette. Elle devrait trouver. Attends. Allô? Oui? Oh, y a des voleurs bébés? Y a des bébés voleurs dans la ville? Comment ça? Monsieur, vous avez eu affaire à un bébé voleur. Quoi, comment ça, des bébés voleurs? Bah attends, si c'est vrai, il faut vérifier ce qu'on a. S'il a pas pris quelque chose dans la maison. Oh punaise, je pense qu'il a volé plein de trucs chez vous. Attends, vite, il faut appeler Lily Rose. Il faut appeler Lily Rose. Lily Rose, venez ici. Écoute, Lily Rose, venez ici. Viens vérifier avec moi s'il n'y a pas. Ben, il paraît qu'il y a des bébés voleurs qui sont dans la ville là. Des bébés voleurs? Oui, des bébés voleurs qui prennent tout ce qu'il y a dans les maisons. Oh là on là les fait rentrer. Vérifie avec moi s'il n'y a rien de. Catastrophe. Grosse catastrophe ici même. Non, y a rien. Oh, Tata, pas content, Tata. Les jouets sont là. Oh, mais oui. Stop. Je dois vous dire quelque chose. Quoi? Viens voir ici. En fait, le bébé, c'était Esteban. Je l'ai payé pour qu'il se déguise comme ça. Pour vous faire croire que j'étais vraiment enceinte. Parce que je voulais pas que vous voyiez que j'étais... Non, 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 pardon. Je voulais pas faire ça. Bon, allez. J'espère qu'ils vont pas trop être en colère, hein. Bon, allez, Tata pas contente. Je vais rentrer. Et je vais revenir chez vous, hein. Les cacahuètes. Bon, donc voilà, donc nous allons passer la bulle magique. Merci beaucoup à l'équipe de basket Lilès. Donc Lilès, merci beaucoup à... On les a rencontrés hier. Enaël. Attention Lily Rose. Enaël, à Sadia, à Edoukia, à Magali, à Mathéo,
à Marie et à Sifia. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à liker, à vous abonner. Et bye tata bye. Bibi ou chat, attention à toi.